Salut à tous, bienvenue sur la 6ème VOD. On s'était laissé devant la mine. La mine qui va nous conduire normalement vers le batch Plant Max. Et ouais, normalement on va aller combattre un espèce de dévergondé au chapeau de paille. Un dévergondé au chapeau de paille, bah moi je suis pressé, donc je vous propose tout de suite de traverser la mine. Et je vais pas vous mentir, j'ai farmé. Max a avancé aussi sur sa partie bouclier. Moi j'ai avancé aussi pas mal sur ma partie solo. Mais en plus de ça, j'ai farmé les Pokémon de... en allant dans les terres sauvages. Donc ils sont un peu plus forts nos Pokémon là sur cette partie commune. Oh, c'est good, c'est plaisir. Et du coup, alors je sais plus si je l'ai le Charby. Donc je vais voir si je l'ai pas. Si je l'ai pas, je le capture. Comme ça on l'aura. Ah comme ouais. Ça on sera pawné déjà. Ah ouais. Je l'ai déjà. Vous voyez la petite Pokéball à côté de la vie en haut à droite. Ça veut dire qu'on l'a déjà, donc on va fuir, ça sert à rien. Par contre, il y a de bons Pokémon dans la mine. Ouais. Je crois que j'ai pas eu Topicœur, il me semble. Topicœur, je sais pas. Ah, il y a l'espèce de maçon là. Alors ça, c'est le premier Pokémon, faut le savoir, portugais, qui a été fait dans la licence. Il s'appelle Charpenti. Je suis niveau 18, normalement, je devrais pas le tuer. Avec Flamèche. C'est ce bâtard. On va essayer de le capturer quand même. C'est pas vrai. Les Portugais... Bah, ils sont représentés, moi je trouve ça normal. Moi je trouve qu'il y a de la diversité dans Pokémon et c'est ça aussi qui fait toute la saveur, tu vois. Toute la magie. Exactement. Voilà. C'est un problème de la magie, j'aime. D'ailleurs, vu qu'on parlait de Portugais, je sais qu'il y a des Pokémon Ré aussi. Voilà. Il y a des Sols, il y a des Ré, il y a tout. Voilà. Alors, si je le capture pas, je comprends pas. Yes! Allez, un Charpenti! Il va nous aider à faire des bâtisses. La mine, je la trouve magnifique. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, elle était belle, la mine. Ouais, dites-nous dans le chat également. Pokémon costaud! Il aime donner un coup de main sur les chantiers. Lorsque le travail cesse à cause de la pluie, il brandit sa poutre de colère. Alors, je veux pas savoir laquelle. Mais en tout cas, il brandit une poutre de colère. On va pas l'inclure dans l'équipe. C'est un Pokémon de type combat. On en a déjà beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de Pokémon de type combat au début du jeu. C'est pas essentiel pour moi. Ah, il y a un objet par terre, là. Ouais. Ça, je vais essayer de faire attention. Fragment de gemme. Ouais, ça, c'est un objet. Je vais faire attention aux objets qui sont posés par terre, parce qu'il peut y en avoir partout. Et le but de ce live aussi, c'est d'être attentif. Donc, je vous demanderai... Mais pourquoi tu siffles? Il a cette manie de siffler, là, depuis deux lives. Je sais pas ce qu'il a. Ah, il y a un truc, là. Rappel. Ah. Mon partenaire et moi, on est les deux doigts de la main. On est comme les deux doigts de la main, parce que c'est un peu plus la vraie expression, t'as vu? Et au boulot comme au combat. Alors, on va affronter Johnny l'ouvrier. C'est un fou, Johnny l'ouvrier. C'est un malade. Nodulite. Nodulite, c'est quel type ça, Nodulite? Acier? Je sais plus. En tout cas, le but c'est de le battre, donc on va le battre. Si vous vous demandez pourquoi j'ai Goupix en tant que premier Pokémon, c'est parce que c'était pour faire de la capture. Parce qu'effectivement, ça sera pas mon Pokémon le plus efficace, donc je vais changer de Pokémon tout de suite. Et je vais envoyer mon Lapiro niveau 22. Niveau 22, c'est... Ça va, ça commence à être intéressant. C'est un caillou, c'est un Pokémon roche. D'accord, merci beaucoup. Pochin et Guhan qui sont toujours là pour nous donner les informations. Ok, la défense de Nodulite augmente, mais bon, je pense qu'il va mourir hein, si je fais un double yep. Bah, tu vas le... Tu vas l'assaillir. Hein, ouais, non. Bah, je lui ai fait qu'un yep. Il lui a fait un coup de pied, il a pas fait le deuxième. J'ai pas compris. Ah bah voilà, merci quand même, Lapinou. Moi, je vais l'appeler Lapinou. J'aurais dû le renommer Lapinou, notre Lapirou, en fait. Franchement, j'aurais été pour parce que c'est le nom de mon... Je t'avais dit que j'avais un... Ouais, tu nous avais cassé la tête avec ton histoire de lapin. Je l'appelais Lapinou ou Pipinou. Donc je l'aurais appelé comme mon truc, ça m'aurait fait Zarbi, il aurait été dans un jeu en fait. Non mais Zarbi c'est un autre Pokémon aussi, c'est autre chose. Ah ouais? Ah ouais, je savais pas, merci. Est-ce qu'il n'y a pas des objets ici? Je vais où là? Ah d'accord, faut aller là. Et bah ça tu vois ce que je suis en train de faire là, je l'ai pas fait sur ma partie solo. Je savais pas qu'il y avait une potion ou je sais pas quoi ici. Et là il y a quoi ici? Ça fait bizarre parce que la caméra en fait recule. Au fur et à mesure que t'avances, du coup, tu sais pas à quoi tu vas te confronter. La route 3? Ah, il y a un objet, là.
Bullrock. Putain, j'aurais dû le faire sur la sur l'autre partie. Je suis dégoûté. Enfin, je suis content. Je suis content pour la partie commune. On découvre des trucs carrément en live et ça, ça fait plaisir. Mais du coup, c'est un truc que j'ai pas sur ma partie, ça. Et vivement le vélo, n'empêche. Hein. Parce qu'on parcourt des kilomètres à pied, je te dis pas. Non, ouais, c'est bien là. C'est bien la bonne direction. Alors, si on va par là. Ah. On l'a passée, elle cherche même pas à nous combattre. Et là, il n'y a rien. Ah si. Alors déjà, il y a ça. Un sac de poussière étoile. C'est pour être vendu. Il y a plein de trucs qui peuvent être vendus pour faire du fric. Grimace. C'est bien ça, Grimace? Non, ça n'a rien. C'est pas ouf, hein. Il me semble pas que c'est que ce soit ouf. Non, non, Grimace, ça sert à rien. Enfin, pour faire du bon travail, il faut s'entraîner. Bon, on va s'entraîner. Shirley, l'ouvrière, veut se battre. Allez, charpentier, go! Pokémon portugais. Loli, loli, lala. Pokémon portugais. Et... Ah, j'ai failli one-shot, je suis dégoûté. Ah, j'ai deux pierres, par contre, c'est pas bon pour moi, ça. Et il va me tuer mon Goupix, l'enflure. Je vais essayer de le calciner avant qu'il ne soit trop tard. Hop. Et voilà. Elle avec ça? Ah non, elle a un autre charpentier. Bah ouais, je vais changer de Pokémon dans ce cas. On va envoyer notre champion Lapierrot. Alors vous avez vu que j'ai pêché un Magikarp. Profitant du multi-XP, je l'ai mis dans l'équipe. Comme ça, il va devenir un... Il va évoluer rapidement. Elle a deux fois le même Pokémon, ça me... Bon, après, elle travaille dans les chantiers, tu vois. Hop. On aura un Léviator du coup bientôt, ouais, c'est ce que je voulais dire. Ah, Lapierrot, t'es pas capable de one-shot un charpentier. En plus, il a une poutre dans ses mains, il suffit de la cramer et il prend feu, en fait. Vivat Flamèche. On va le finir avec Flamèche. Si vous avez des conseils pendant la partie, n'hésitez pas. Est-ce que t'es satisfait, toi, pour le moment de Pokémon bouclier? Ouais, franchement, ouais. J'attends de voir un peu vraiment le synopsis, tu vois. Le synopsis. Parce que à part Tar et... Comment il s'appelle, ce qui me casse la tête, là? Nabil. Ouais, Nabil, qui je trouve un peu trop... Autant, tu vois, à l'époque, Régis. Ouais. Il était... Ça va, il était bien équilibré. Autant, je le trouve assez chiant dans ce jeu-là. Donc, j'attends de voir. Mais en tant que tel, je suis satisfait, moi. J'aime bien. Il y a mon vol toutou qui veut apprendre étincelle. En vrai, je devrais le mettre à la place de Frotte Frimousse parce que ça a une puissance beaucoup plus importante. Mais en fait, Frotte Frimousse, ça m'est utile pour paralyser et ne pas tuer les Pokémon quand je veux les capturer. Et j'ai peur qu'en faisant étincelle, en fait, je les tue. Bon, au pire, pour l'instant, on est en route pour le badge. Je vais lui mettre étincelle à la place de Frotte Frimousse. Et si je veux retrouver Frotte Frimousse, bah, j'irai chez le mec qui permet d'oublier et de remettre en avant les trucs. Non, charge, je le garde. Parce que c'est pas bien d'avoir que des attaques électriques. C'est un Pokémon électrique. Mais c'est un Pokémon qui m'est utile pour capturer d'autres Pokémon. Parce qu'il peut les... comment dire ça? Les paralyser. Donc si j'ai pas charge. Et que je veux lui baisser un peu de dégâts. Bah je peux pas. Donc je garde charge. Pour l'instant. On verra après. Magikarp monte au niveau 11. En route pour le Léviator. Il évolue au niveau combien en Léviator? Je sais même plus. Ni trop charge. Ni trop grand, ni trop petit d'ailleurs. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Et mais il est résistant, mine de rien. Je pensais pas ce Pokémon là, Charpentier. Il est super résistant en vrai. Nabil est sympa, je trouve. Après, c'est peut-être parce que c'est un forceur. C'est Kaiklo qui dit ça, faut savoir. Pour vous mettre un peu dans l'ambiance, pour tous ceux qui savent pas sur la chaîne, Kaiklo, le forçage, c'est son dada, c'est pour ça qu'il dit ça. C'est une vanne en fait. C'est une blague. C'est une private joke. Je l'ai pas lui. Toi, je ne t'ai pas. Un chauve-sourire sauvage apparaît. Alors, ça, c'est ce qui me plaît, c'est que en même temps que combattre et avancer, tu vois, c'est un peu le principe, tu me diras, mais combattre des dresseurs, tu captures aussi des Pokémon que t'as pas. Donc, c'est bonne idée, j'aime bien. J'essaie de pas le défoncer non plus. Alors, petit éternuement. Et Goupix, il va mourir en fait.
Mais je vais refaire Vive Attaque quand même parce que j'ai envie de le capturer lui. Choc mental, mais je vais clamser là. Voilà. Un PV. Et pourquoi ma Vive Attaque n'a pas marché? Parce qu'il est amoureux de chauve-sourire. T'es sérieux là? Comment tu peux être amoureux d'une saloperie comme ça? On va changer. On va mettre Voltoutou parce que lui c'est un vrai. Voltoutou, c'est le meilleur. C'est tellement le meilleur que sur ma partie solo, j'ai empêché son évolution. Je voulais pas qu'il évolue, Voltoutou. Il restera toujours Voltoutou. Ok? Que ce soit bien clair. Et c'est vrai que j'ai remplacé sa saloperie là par étincelle, du coup je me demande qu'est-ce que ça va faire. J'espère que je vais pas l'exploser parce que c'est peut-être un Pokémon vol. Je l'ai one shot. J'aurais pas dû remplacer Frotrimousse par étincelle. Je peux plus capturer des Pokémon là, je peux que les tuer en fait maintenant. Donc mauvais choix. Mauvais choix. Ah, encore une dresseuse qui veut nous défier. Mais Pokémon au moins, on travaille ensemble, on est balèze. Attention! Voilà, on dit attention généralement quand il y a un truc qui va tomber sur un chantier. Rita l'ouvrière envoie Topiqueur. Ah bah le voilà Topiqueur, mais on l'a pas vu à l'état sauvage là dans la. Bon, par contre, je vais changer de Pokémon parce que Goupix, plus d'être mal en point, il est totalement désavantagé face à Topiqueur. Donc on va mettre un Pokémon. J'allais dire un Pokémon haut, mais non. Parce que vous avez vu ce que j'ai en Pokémon haut. Bah je vois pas qui met d'autres en fait. Je vois pas qui met d'autres. Elle est pas très équilibrée ma team parce que c'est une team capture en fait. C'est pas une team combat là. J'aurais dû peut-être changer un peu l'équipe avant de partir dans la mine. Bon ça va, il est fort mon. Ouais l'oiseau que vous voyez là, vous l'avez pas vu, mais dans mon équipe, il y a donc Goupilou qui a évolué en roublenard pendant que je farmais hier, hein, donc c'était pas en live. Donc dans les terres sauvages, on entend beaucoup ton clavier. On entend beaucoup mon clavier. Ouais. Donc dans les terres sauvages, je farmais et Goupilou a évolué en roublenard et dans le même temps, Minizange a évolué en bleuzeille. Et je trouve qu'il est vraiment stylé ce Pokémon. Ouais. Rototop. Rototop. Qu'est-ce que c'est cette merde? Rototop. Rototop, c'est quand tu fais des rototos et que t'es au top. Ouais. Mais rototop quoi. C'est une taupe. En fait c'est rototop. Rototop, c'est chiant à prononcer rototop. Picor c'est pas mal. Je vais te picorer le bout du bec, tata. Grand juste. Ah voilà, et allez, il est mort. La dernière évolution est encore plus stylée, je trouve. Ouais, on l'a vu, celle-là d'ailleurs. Je l'ai vu à l'état sauvage, je crois même. Et il est vraiment. Déjà, il est immense. Tes Pokémon sont pas mal non plus, je les engagerai bien sur le chantier. Elle est contente. Et elle me donne quand même 1500 Poké-Dollars, elle me donne du fric. C'est super gentil de sa part, merci beaucoup, Rita l'ouvrière. Alors, je vais réessayer de capturer une chauve-sourire parce que. Je me suis un peu fait guise, on va pas se mentir. Tout à l'heure. On peut pas les capturer? Ah, viens là, toi. Voilà. Parce que je l'ai un peu one-shot avec Voltoutou. Donc, pour m'excuser, je vais t'envoyer. Goupix, je le sacrifie. Franchement, c'est pas grave. Je vais lui mettre une petite potion, mais il va mourir quand même. Hein. J'ai pas d'espoir non plus. Goupix, il me sera utile par contre dans l'arène eau. N'importe quoi. Dans l'arène plante. Contre le dresseur avec son chapeau là. Yes, ouais, on va le. Bon, on va essayer de pas le tuer. RIP Goupix, ça m'a fait plaisir. Merci pour ta participation, c'est gentil. C'est gentil. Envoyer un autre Pokémon. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? La Pyro, il va le tuer. Voltoutou. À la limite, Voltoutou avec morsure et charge. Il y a peut-être moyen de le capturer. Mais faut pas que je fasse l'attaque électrique parce que sinon il va clamser le chauve-sourire. Encore qu'il est niveau 16, hein, il devrait pas. Hein. Quoique. Des fois, on est surpris. Est-ce que la position de la caméra, elle convient pour vous? Dites-nous. Choc mental. Ça va. Pour l'instant, je le vis bien. Hurlement, non. Sinon, il va se barrer. Charge. Arrête avec tes chocs mentaux. Laisse-moi attaquer, toi. Ouais, je fais un choc mental. Moi, je commence à être... Je vais aller chez le psychologue, là, parce que j'ai des disturbances mentales.
Ah, ça lui baisse rien du tout. Il doit faire une attaque un peu plus efficace, mais d'abord il faut que je lui mette une super potion. Hyper potion, j'en ai qu'une. Super potion, j'en ai qu'une aussi, mais bon. Après, on en trouve un peu plus facilement, donc c'est pas grave. Déjà, je veux passer la mine et arriver jusqu'à l'arène. On me dit très bien la caméra, bah c'est parfait dans ce cas. On va faire morsure. Putain, mais tout le temps lui qui attaque en premier, ça me vénère ça. Le mec, il est niveau 16 quoi, Voltoutou, il est lent en fait. Et amoureux d'une chauve-souris dégueulasse quoi. Oh, pourquoi tu respectes pas mon copain? Eh, nickel, là j'ai réussi. J'ai réussi pile ce que je voulais faire. On est parti sur de la capture, allez. Allez, on croise les doigts pour avoir une chauve-souris. C'est pour le Pokédex, hein, c'est pas pour l'équipe, parce que ça pue un peu du cul, chauve-souris. Yes! Tout, Voltoutou, je te remercie, Voltoutou. De toute façon, au pire, si il était ressorti de la Pokéball, Voltoutou, il aurait repris la Pokéball et il me l'aurait redonné. Et rigolez pas, parce que c'est vrai. Donc c'est aussi pour ça que je le mets dans mon équipe, c'est parce que c'est un Pokémon de capture pour moi, ce Pokémon. La présence de marques en forme de cœur sur les parois des grottes indique la présence de chauve-souris à l'intérieur. Merci Pokédex. Psy et vol. J'avais deviné ces types. On va l'envoyer au PC. Et je vous montrerai les boîtes un peu. J'ai rangé un peu hier aussi, comme j'ai farmé. Ah, un item. Oh, il y a un machin qui... Ah, putain, au lieu de courir après le wagon mine, qu'est-ce qu'il fait? Il siffle comme un... Il y a deux super potions. Alors, je vais regarder si j'ai pas loupé un truc, parce que... Il y avait un dresseur, je crois. Je vais essayer de l'affronter, parce qu'il va me donner du fric. Et ça peut m'être utile. Ça peut vraiment m'être utile dans la partie d'avoir de la thune. Les watts, c'est utile. J'ai vu qu'on pouvait avoir surf avec watts. On va parler à Richard Viran qui est juste au bout de... Enfin, au début des Terres Sauvages, là où il y a le... Comment dire? On va changer Voltoutou parce qu'il fera pas l'affaire. On peut mettre personne, en fait. On va mettre la Pyro parce qu'il a un bon niveau, mais... Faut parler à Richard Viran qui est près de la gare. Et il peut te faire apprendre la technique surf. Donc j'économise un peu les watts. Et pour ce qui est de la thune, bah, c'est important dans Pokémon. Permet d'acheter des Pokéballs, des potions, etc. C'est clair que t'achètes de tout. Bon bah double yep. Super utile, toujours la référence sur Pokémon. Dès qu'on a ça avec la Pyro, tout est réglé. Les attaques feu ne marchent pas, c'est pas grave. J'ai double pied. Alors plusieurs fois par semaine, on stream sur Twitch. Et on avance du coup dans Pokémon épée et Pokémon bouclier. Parce que toi, tu joues à Pokémon bouclier chez toi, il faut le dire aussi. Exactement. Exactement. Alors j'ai récupéré une paire de grosses bottes. Ça me permet de ne plus subir l'effet des pièges. Est-ce que ce serait pas pour ne pas tomber sur les Pokémon là qui ressemblent à des Pokéballs là, je sais plus comment ça s'appelle ce truc dégueulasse là. Ah, le voilà le rival là. Toi là, avec l'étoile vœu. Tu es peut-être arrivé jusqu'ici, mais c'est la fin de l'aventure pour toi. Un conseil? Fais demi-tour ou tu vas passer un mauvais moment. Imaginez le rival qui parle comme ça. Et là, mon personnage, il fait exactement ce qu'il fait John Travolta dans Pulp Fiction. Il regarde autour, il fait... Qui me parle? Excuse-moi, il y a un rival quelque part? Non, je sais pas vu. Non. Il fait exactement ça. Je te l'envoie où, le overlay? Tu me l'envoies sur Skype. Allez, c'est dit pas. Il se recoiffe, mais si t'as le temps de te coiffer, va t'entraîner, mec. Tu es l'un des challengers recommandés par le maître, c'est bien ça. Quelle vaste blague. Le maître, c'est de la bagatelle. La personne la plus importante dans la ligue Pokémon, c'est son président. C'est bien connu. Et moi, je suis recommandé par le président, justement. Donc, je vaux mieux que toi, pigé. Mouais, tu vas apprendre à t'agenouiller devant le meilleur que toi, espèce de minable. On dirait une parodie de... C'est de méchant de dessin animé quoi. Le mec tête à claque quoi, qui il va te prendre de haut, il va te dire ouais, je suis meilleur que toi, j'ai perdu mais bon, c'est parce que j'avais quelque chose dans ma chaussure, j'avais un caillou dans ma chaussure. Ok, Nucleos. Je sais plus du tout c'est quel type ce truc. Donc dans le doute, déjà je vais l'attaquer avec étincelle et ensuite je remplace mon Voltoutou.
Ah bah non, il fait l'affaire Voltoutou en fait. Beau gosse Voltoutou. Nucleos, ça doit être haut quelque chose, j'imagine. Pour se faire taper comme ça par Voltoutou. Ah quoi que non, c'est parce qu'il est niveau 13. En fait, il pue la merde lui. Pourquoi il me défie? D'où tu me défies? Trévis, ou quel que soit ton nom, parce que je connais son nom à l'avance, hein, je suis désolé de vous le spoiler. Tu pues la merde, tu pues la merde. Pokémon Psy, il est juste Psy. Ouais, donc c'est son niveau en fait. Lapiro monte au niveau 23. Trévis le dresseur envoie Scrutella. Ouais, je vais changer de Pokémon, je vais mettre Lapiro. Allez, Scrutella ou Nutella, envoie-moi qui tu veux, de toute manière, je vais en faire de la pâte à tartiner. Scrutella. Voilà, c'est bon, le overlay est parti. Allez, c'est génial. Nitro charge. Allez. Si je le one-shot avec Nitro charge, je rigole. Ah, presque. Presque. Rafa le psy. Pourquoi je reçois encore un code Twitch, moi, ça me casse les couilles. Ah, c'est pas moi. Bon, tant pis. Votre équipe a gagné des points d'expérience. T'avais que ça, Trévis. Non, il a un bibi chute, mais il a que des Pokémon tout pourris, lui, en fait. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Ça ne me ressemble pas. Il faut que j'en finisse. Trévis, le dresseur, envoie un bibi chute. Allez, Nitro charge. Je spam Nitro charge, mais en fait, j'ai envie de passer la mine vite. Voilà, allez, dégage. Allez, dégage. Vous avez battu très... c'est tout? Je vois, peu importe. C'est pas comme si j'y avais réellement mis du mien, enfin. Et il me donne 1920 Poké-Dollars, il est gentil quand même. Ou alors, c'est à mon avis, c'est une appli, c'est comme Uber, en fait. À partir du moment où tu le commandes, t'es obligé de... Enfin, t'as payé, quoi. Bah là, je pense que c'est ça, en fait. Je pense qu'à partir du moment où t'as mis le combat contre le mec, il envoie automatiquement la thune s'il a perdu. Par contre, l'overlay, ça va pas du tout. Parce que la caméra, elle doit être là où je l'ai mise. Si je la mets en haut, en fait, on voit pas la vie des Pokémon adversaires, ni leur, ni si je les ai. Okay. Ni... merde, comment ça s'appelle? Ni leur nom. Okay. Bon, bah, j'ai l'air d'avoir tous les items. Et on a déjà traversé la mine. On est route 4. Moi, je dis c'est bonnet déjà, mais... Alors, bonjour madame, je suis la petite sœur de l'infirmière itinérante du centre Pokémon, le trajet a dû vous fatiguer, laissez-moi soigner votre équipe. Bah c'est gentil, c'est fort gentil, c'est un peu facile, parce que là, de mes yeux, je vois le centre Pokémon au bout de la rue, enfin au bout de la rue, au bout de la route, au bout du chemin, devrais-je dire, donc je trouve ça un peu facile quand même. C'était un peu plus dur dans les anciens jeux, je sais pas ce que t'en penses. Oui, c'était plus... disons qu'il fallait chercher. Alors je vous propose de regarder le campement de Léane, puisqu'elle s'appelle Léane, puisque je pense pas qu'on ait mangé, qu'on ait fait la cuisine dans un campement Pokémon en live. Donc ça va permettre de découvrir ça. Donc ça c'est Léane, ou peu importe. Et ça c'est qui ça? Qu'est-ce que c'est ce ballon de baudruche là? Il y a un miroir, il y a un ballon de baudruche. Alors, il est où mon Pokémon? Moi, c'est Goopix, hein, c'est ça? Ah ouais! Hé, hey, Goopix, viens là! Allez, Goopix! Goopix! Tutut! Tutut, Goopix! Il s'en bat la race! Allez, bah, allez vous faire voir. Moi, je vais cuisiner. Alors, pour cuisiner, il faut... mélanger les baies et une multitude d'ingrédients que vous pouvez avoir dans le jeu. Notamment soit en secouant des arbres, soit en les achetant. Maintenant, moi, je fais que secouer des arbres. Hein. J'achète plus de baies, parce qu'on les a trop facilement. Et on peut avoir, par contre, d'autres ingrédients. Il faut parler aux campeurs qui sont dans les terres sauvages. Moi, je vais mettre une baie orange, une baie cerise, peut-être une baie papaya, j'ai jamais fait ça, et une baie calo. Je regarde même pas, je fais au pif, et on va cuisiner rien qu'avec ça. Normalement, on peut mettre d'autres ingrédients, mais là, j'ai la flemme. J'ai la flemme de cuisiner, ça va, ça arrive. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Alors moi, j'ai pas détaché les Joy-Con, donc je fais avec la touche A. Et on est 3 à cuisiner. Donc je me suis fait arnaque. Parce qu'en fait, je fais à manger pour les Pokémon d'autres personnes.
Moi, je trouve pas ça normal. Alors, hop, on tourne. On se croirait dans Food Wars version jeu vidéo, tu sais. La la li, la la la. Bon, bonjour, qu'allons-nous faire de pain aujourd'hui? Nous allons faire une recette de curry avec une pincée d'amour. Alors, je voudrais pas savoir qu'est-ce que c'est la pincée d'amour en vérité. Enfin, ce qu'ils mettent dans la marmite, quoi. Disons que les baies, autant je suis au courant de l'ingrédient, autant là, j'ai un doute. Tu vois. Ouais, c'est Suna. Curry épicé aux pâtes. D'accord. J'espère que c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Validé par Goopix. Tous les PV ont été restaurés, ça c'est bien pour les Pokémon. Mais bon, on s'en fout parce que je venais de me faire soigner. Et les altérations de statut ont été soignées, c'est la même chose. Votre équipe a obtenu des points d'expérience, ça c'est cool. Et vos Pokémon sont devenus un peu plus amicaux envers vous. Ça doit être super ça de faire des campings quand t'as des Pokémon avec qui tu t'entends pas. Je vous propose de quitter le camping et de parcourir cette nouvelle route qu'on vient de commencer et qui va nous mener jusqu'à l'arène, puisqu'on la voit là au bout de la route. Elle est au bout de la route. On va rentrer là, on va essayer de pas se faire surprendre. Ah, un Topiqueur, je l'ai pas. Par contre, il faudrait que je mette un Pokémon haut un peu mieux que Magikarp dans mon équipe. J'ai mis Magikarp pour avoir l'Eviator, bien évidemment, hein, pour profiter des effets du multi XP. Mais le temps qu'il devienne un Léviator, même si je lui donne un bonbon, on n'est pas rendu. Et en attendant, j'ai pas de Pokémon eau contre les roches et les sols, je suis bien embêté. Et même contre les feux d'ailleurs. Enfin, contre les feux, je m'en fous, je les tape avec mes Pokémon. Je vais changer Goopix. T'es pas taillé pour ça, mec. Je vais mettre Bleuzeille. Mais Bleuzeille, il risque de tuer Topiqueur. C'est vrai que Crémy, le Pokémon Crémy, on dirait un peu un Digimon. Mais il y a des Pokémon, ils ressemblent à d'autres trucs qu'on a déjà vu ailleurs. Tout est efficace en fait, je risque de le tuer à tout moment. Je suis pas sûr d'avoir pris le bon Pokémon en fait, pour essayer de capturer quelqu'un. Ouah, ça va. Ça va. Il est à quel niveau ton starter toi actuellement? Il est au niveau 26. Ok. Sur la partie commune, notre Lapiro, il est au niveau 20... je vais dire ça. 23. Quel Okrok évolue. Ah bah GG. Tu vas avoir un beau Pokémon. Oh, oh putain, je l'ai tué. Putain, gamin. Je l'ai tué, putain. Fait chier, quoi. On en a pas croisé, en plus, des Topiqueurs. Je suis dégoûté. Ouais, vraiment. J'ai fait la même chose que toi. Ah bah il y en a un autre là. Par contre je vais directement changer l'ordre dans l'équipe et je vais mettre Bleuzeille en... Ah je pensais pas le tuer, la première attaque avait Qu'est-ce que... Attends, j'ai toujours eu envie de dire ça, écoute, une Poké enfant sauvage apparaît. Mais laisse-moi tranquille toi, je capturerai tranquillement un Topiqueur. Alice, la Poké enfant envoie un Crémy et c'est donc ça le Crémy en fait. Dont on nous parlait tout à l'heure dans le chat. C'est une sorte de pudding sauvage. Voilà. Si j'avais su, j'aurais pas mis Bleuzeille, tu vois, en tête. J'aurais mis mon Lapiro. Je vais tenter Pic-Pic. Et bim! Qu'est-ce que ça va faire, ça? Doux parfum. Ah, merde! Ah, merde! Bon, normalement... Avec un deuxième coup, je devrais l'avoir. Yes. Yes. N'empêche, ça serait la loose de perdre contre des gamins avant l'entrée de l'arène, quoi. Ouah, c'est déjà fini. Au moins, elle est contente. Ça fait plaisir. Allez, Topiqueur, je m'occupe de toi. Tin, pin, 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 pin. Topiqueur niveau 17, Bleuzeille niveau 21, un petit pic-pic et on va voir qu'est-ce que ça fait. C'est quand même super efficace. Je vais essayer de le capturer maintenant. Trop de risques. Niveau 17, je pense que ça peut le faire. Au-delà du niveau 20-25, je sais que si tu baisses pas assez leur vie, c'est compliqué. Mais là, niveau 17, ça va.
Vous avez attrapé Topiqueur. Trio. Topiqueur. Il est mort. On n'est plus en communication avec notre cher ami. Il a fait game over sur sa partie bouclier. Envoyé sur le PC. T'existes encore? Ouais. Ouais. Parce que j'ai eu un doute là. Alors, on récupère une capsule précision plus. Ouais, c'est bien. Elle a laissé tomber l'affaire. Je veux savoir ce que pensent les Pokémon, c'est pour ça que je m'habille comme ça. D'accord. Est-ce que tu crois que les cosplayers en convention, ils se disent ça? Si c'est ce que tu crois habillé en Pikachu. Bombidou? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Bombidou? Je l'ai même pas sur ma partie, tu vois. Bah moi non plus. Bombidou? Moi j'ai nous le faux frère Bombidou. Ouais mais j'ai peur de le tuer là. Essaye de le capturer sans me toucher. Tout à l'heure j'ai fait ça, je l'ai eu. Bah, je vais lancer une Pokéball si ça marche pas. Pars bien. Bombidou. Ah non, il est ressorti de la Pokéball, t'en fous. Moi, est-ce que j'ai un Pokémon bien faible que je peux envoyer contre... Bah, j'ai Magikarp, mais Trempette, ça va pas le toucher, tu vois. Il faudrait un Pokémon qui puisse diminuer un tout petit peu de PV. Bon, j'envoie Bleuzeil. Mais il est déjà au combat, donc je vais garder Bleuzeil plutôt, c'est ça que je voulais dire. Et je vais faire Arrogance, on verra bien le résultat. Mais j'ai peur. J'ai peur que ça sente la défaite. Ah non, ça va. Ce n'est pas très efficace. Bah écoute, je vais abuser d'Arrogance. Il n'y a que 5% de taux d'apparition de Bombidou. Ah ouais. Donc faut pas qu'on loupe celui-là. Ouais. Et j'ai eu la même merde avec le Pokémon tapis de souris, là, tu te rappelles? Qu'on avait vu. C'est un Pokémon feu. Et il a que 1% de taux d'apparition dans les hautes herbes devant la mine. Et hier, j'ai farmé, je l'ai réussi à le capturer. Mais c'était compliqué. Parce que j'ai dû attendre 1000 ans pour pouvoir le voir. Bon, moi, je suis paralysé, je crois que je vais lancer la Pokéball maintenant, on verra bien le résultat. On croise les doigts pour avoir ce Bombidou. Et il évolue en quoi, Bombidou? Bon, il me casse les couilles, Bombidou. Là, par contre, Bombidou, on va parler autrement. Je remets la veste de dresseur. Rubombelle. Rubombelle. Et non pas Ribombelle. Allez, vas-y. Là, il m'a pété les couilles, Bombidou. Arrogance, une nouvelle fois. Le souci, c'est que j'en ai que 10 des arrogances et il m'en reste que 4. Donc, sauf si Bleuzeil, il meurt et que je fais un rappel max, ça me paraît compromis. En plus, je suis paralysé, donc je vais certainement rater une attaque. Bon, pour l'instant, ça va. J'ai réussi à le faire descendre dans le jaune. Bombidou utilise Volvi. Ce n'est pas très efficace. Bon, on va le capturer. Allez, tous ensemble, on croise les doigts. On est là derrière toi, Bleuzeil. On te supporte pour que tu réussisses dans ta mission de guider ce Pokémon vers la Pokéball. Bim, Pokéball go. On a Bombidou. Yes. Et n'empêche... On a Bombidou, c'est un truc qu'on peut dire après l'air pas également quand on a bien mangé. Hein. Ouais, à Noël d'ailleurs, ça va être le cas. Ouais, prochaine. On va avoir un Bombidou aussi. Ah, je suis Bombidou. Ouais, j'ai un Bombidou, mon gars. Ah, on pourra faire ça. Allez hop, ça c'est fait, ça va dans le Pokédex. Les données de Bombidou ont été ajoutées au Pokédex. Ce Pokémon raffole du pollen et du nectar. Il volette souvent près des tournicotons pour collecter leur pollen. Insecte fée. Il n'est pas insecte vol, il est insecte fée. Et il conserve son double statut insecte fée quand il évolue, j'ai vérifié. Et si j'avais su, j'aurais envoyé Voltoutou. Et je lui aurais fait son attaque électrique. Je pensais qu'il était vol. Et vu qu'elle était super efficace en attaque, je me suis dit, je vais le one-shot. Donc je ne l'ai pas fait exprès. Enfin, je ne l'ai pas fait volontairement. Je ne l'ai pas envoyé volontairement. Poudre argentée, ok. Qu'est-ce que c'est? Un Pikachu! Il y a un Pikachu! Moi, qu'est-ce que c'est, cette arnaque, là? Il y avait un Pikachu en face de moi, je me retrouve avec un vieux Meowth de Galar là, je suis dégoûté moi. Moi je suis Meowth de Galar moi. Et on l'a déjà. Donc je fuis parce que je m'en bats la race du coup. On s'est fait arnaquer. Mais il y a un Pikachu là. Pikapi.
Ok. Alors, comment capturer Pikachu avec un Pokémon vol? Je peux plus utiliser Arrogance. Je suis niveau 21, j'ai Pic-Pic, j'ai Picor et j'ai Fury. Je vais tester Pic-Pic. Ouah, tu vas pas tuer Pic-Pic. Mais j'ai peur. Bah, normalement, l'électrique, il a l'avantage sur le vol, tu vois. Mais on verra. Non, ça va. M'a fait peur, mais ça va. Cage éclair. Eh, je suis déjà paralysé. Laisse-moi tranquille, toi. Bah voilà, je peux pas attaquer. Je vais utiliser un anti-para. Voilà, j'en ai 5. Et on va capturer ce Pikachu. Cage éclair. Bah là, je vais être de nouveau paralysé. Donc ça sert à rien de se déparalyser. Normalement, je devrais l'avoir. On a eu le Pokémon tout à l'heure en lui baissant un peu sa vie. Allez, allez, un Pikachu, on l'a pas sur cette partie. Yes! Et voilà, Pikachu capturé. T'en as un, toi, de Pikachu ou pas? Ouais, je l'ai eu avec ma truc. Avec ma truc? Le fait d'avoir eu Pokémon... Ah oui, toi, t'avais joué à Pokémon Let's Go, donc tu l'as eu à la gare, ouais, c'est vrai. Oui. Bon, on connaît le Pokédex de Pikachu. On va l'envoyer à la boîte PC. On va pas l'inclure à l'équipe parce qu'on a Voltoutou. Voltoutou, il fait le taf. Et je l'aime bien, Voltoutou. Et puis, de toute façon, c'est un nouveau Pokémon. J'aime bien les nouveaux Pokémon. T'as un problème, j'aime bien. Dynavolt. Lui, il m'énerve. Lui, par contre, lui, c'est le genre de Pokémon qui m'agace. Parce que quand tu traverses les hautes herbes, comme ça, il te poursuit partout. Est-ce qu'on peut fuir? Ouais, heureusement. Qu'est-ce que c'est, ça, là-bas? Est-ce que je l'ai, ça? Pitrouille. Ah, je suis pitrouille. Moi. Yeah, je suis pitrouille, moi. J'ai pas Pokémon, moi. Pitrouille. C'est quel type? Pitrouille, et puis c'est en bon. C'est quel type, ça, pitrouille? Parce que je vais essayer de pas le tuer. Type FDP, ça. Type FDP. Alors, je sais pas si je peux lutter contre un type FDP. Plante et spectre. Je vais essayer de le paralyser avec une petite attaque électrique. Mais je vous ai dit, je commence à regretter déjà d'avoir enlevé Frotte Frimousse parce que c'est la meilleure attaque de capture que j'avais avec mes Pokémon. Là, l'attaque électrique, elle risque d'être trop puissante et il va mourir comme une vieille ch... Voilà. Donc, Pitrouille, ça nous a fait plaisir. Ah, il est confus, il va pas attaquer mon Voltoutou. Étincelle, allez. Voilà, ça va. Par contre, il n'est pas paralysé. Donc le taux de paralysie pue la merde sur Étincelle. Parce que Frotte Frimousse, il est systématiquement paralysé. A chaque fois que l'attaque marchait, le Pokémon en face était paralysé. Ah là, ça y est, il est paralysé. Donc pour l'instant, 1 sur 2 le taux de paralysie avec Étincelle. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Est-ce qu'il a des meilleures attaques électriques après Voltoutou? Qu'il évolue ou pas d'ailleurs? Et voilà, Pitrouille capturé! Pitrouille capturé! Est-ce que t'imagines Sacha dire Pitrouille à l'attaque? Non. 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 Non, non. Non. Oui, il m'a semblé que non. Salut, je suis journaliste et j'interview des challengers comme toi. Rien de tel qu'un combat pour mieux connaître son interlocuteur. Voulez-vous oublier une capacité pour apprendre provoque? Qui c'est qui veut apprendre provoque? Bleuzeille. Alors provoque l'ennemi. C'est Franck provoque, non? L'oblige à n'utiliser que des attaques pendant 3 tours. Ça m'intéresse pas, provoque. Hein. Moi je dirais non. Des fois il y a moi je dirais ouais, bah là il y a moi je dirais non. Donc on a dit non au partenariat avec Franck provoque. Du coup, on va aller continuer sur la route toute la sainte journée. Et lui, il va nous lâcher l'affaire, le Dynavolt, là, parce qu'il casse les couilles. Il me court après, regardez-moi ce fils de... Et moi, je siffle. Je sais pas pourquoi je siffle. Ce personnage n'a pas de logique. C'est un siffleur, lui. Alors, il n'y a pas des Pokéballs ou des trucs, là? Parce qu'il y a un Dynavolt encore qui va me casser les couilles, là. Ouais, hop. Un bouquet d'herbe rappel, hop. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, un Voltoutou! Je vais le capturer! Là, vous dites pourquoi il veut capturer un Voltoutou, il en a déjà un. Alors, je vous explique. Comme ça, il peut en faire évoluer un, il en garde un. Exactement. Exactement. Donc, je vais le capturer. Parce que Voltoutou, c'est mon Pokémon de capture de Pokémon.
Donc comme ça, il y en a un qui va atteindre son stade ultime. Et il y en a un autre qui va rester à un niveau faible pour capturer des Pokémon. Vol tout. Regarde, faute frimousse, il va me paralyser cet enfoiré. Et bim, 100% de taux de réussite. Donc j'ai besoin de cette attaque. Et j'ai pas pu attaquer. Moi, vol tout, je te dis, ils auraient dû me le mettre en starter. C'est pas pour rien qu'il est sur la miniature du premier de la première VOD. C'est le meilleur. Si je trouve une peluche, je te promets, je t'achète Voltoutou. Allez, on croise les wads. Voltoutou, Gettodaze, capturé. Bon, pour tous ceux qui suivent l'anime en japonais, bah du coup vous avez la ref. Pour les autres, bah écoutez, je suis désolé. Hein. Ok, on l'envoie à la botte PC, on verra plus tard. On fera les arrangements avec celui qu'on a déjà. Alors, je crois qu'il faut monter sur ce rocher pour avoir le machin là. Voilà. J'ai battu, j'ai gagné 3600 poké dollars. Je crois qu'ils ont lâché l'oseille. 3600 poké dollars. Ah ouais, ils ont lâché. Ah ouais, t'es tombé sur un Richard là. C'est un journaliste. C'est Jean-François le Richard là. Alors, Miaouz sauvage apparaît, mais on l'a déjà, donc on va fuir. C'est quoi ce Pokémon Fluvetin? Et le... Salut, je suis Fluvetin. En un éclair, me voilà. J'ai cru que c'était un Pikachu, mais pas du tout, c'est Kevin. C'est encore un Pikachu qui s'est mis un plug, ça? Ouais, non, pas du tout, c'est pas un Pikachu qui s'est mis un plug. Heureusement. Non, c'est... C'est plus innocent que ça, heureusement. Heureusement, ça n'a pas encore... Il y en a en convention. C'est qu'ils ont mis des plugs. Ah oui. Je sais pas. C'est sûr. Je n'en ai pas vu, toujours est-il. Alors, vu qu'on est confronté à un Pokémon de type électrique, on va quand même mettre la Pyro. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais il va le latter, il va le one-shot. Donc, voilà. Autant avoir un Pokémon qui peut faire plaisir. Si tu veux, je t'ai renvoyé le overlay. Il y a Labo, il dit c'est un cosplayer de la Paris Games Week qui s'est perdu. Alors attaquer, Nitro Charge, allez, normalement il est mort, Nitro Charge. Moi je suis statique. Ouais, je dis bonne statique, moi. Bon, je l'ai battu, il avait qu'un Pokémon. Non, il a l'Arvibule, c'est quoi ça l'Arvibule? Moi je connais rien en fait. Ah oui, c'est cette larve là. Je crois qu'on l'a déjà capturée sur la partie... pas la partie commune, parce que c'est celle-là, sûrement l'autre partie du coup. Encore que je suis pas sûr. Mais je vois pas de Pokéball à côté du Pokémon, donc effectivement on doit pas la voir. Et franchement, one shot. Hein. La première arène, c'est l'arène plante, hein, je vous rappelle. Donc c'est pour ça que j'ai mis Goopix, que j'ai mis la Pyro dans l'équipe, parce que ça va faire deux Pokémon feu. J'en mettrai un troisième si j'ai le Scolopendre là. Je pense l'arène plante, easy peasy, lemon squeezy. Franchement, on va y aller tranquillou, hein, les doigts dans le nez. Ouais, je suis sûr. Ah, mais merci pour ton argumentaire, Kevin. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est? Encore un Voltoutou, mais il y a des Voltoutous partout ici. Tu dois être heureux, toi, non? Bah ouais, franchement, je resterai bien... avec les Voltoutous. Darnué envoie une rafale de dard qui peut toucher 2 à 5 fois. Pokémon insecte, ça. Là, il y a des Voltoutous partout. La dernière fois, quand on a joué, il n'y avait pas autant de Voltoutous. Non, il n'y avait pas autant de Voltoutous. Ah! Je suis évolué, je sais faire un tas de trucs. Ok. Léa, qu'on a croisé aussi sur la partie solo. Et même j'avais dit que Léa, bah c'était Léo féminin, donc vu qu'elle me respecte pas, je vais pas la respecter. Et on va lui rouler dessus avec son quoi? Elle a un Evoli. Bon, pic normalement. Regard touchant. Ça c'est de l'attaque ça. L'attaque de Bleuzeil baisse. Allez bim, dégage. Moi je vais faire picor, je vais te picorer ton Evoli toi. Je vais te picorer le bec. C'est quoi votre évolution préférée d'Evoli? À l'époque, c'était Pyroli, moi.
Toi, c'est Pieroli. Toi, toujours feu, toi, en fait. Ah, j'aime bien le feu. À l'époque, c'était Pieroli. Après, j'aimais bien... Noctali, j'aimais bien. Noctali, c'était mon préféré. Allez, picore, là. Et le Noctali en version... Yes. Shiny, des gommes. Le Noctali Shiny, je l'ai pas vu. Tu sais, mais... Il est dans le jeu ou pas? Je sais pas, mais en tout cas il est bleu et noir, je crois. Ah oui. Ouais, je verrai ça. Alors Goopix veut apprendre Onde Folie. Alors dites-moi dans le chat si c'est bonne idée. Je vais pas le mettre. Au pire, si jamais je veux le mettre par la suite, j'irai dans le centre Pokémon. Je suis Evoli et tout est parti à volo. Tu crois qu'elle est ch'ti? Je sais pas. Bon, on a fini avec ce coin là. J'ai récupéré les potions et les moumoutons. Reviens ici, petit chenapan. Oh non, j'ai cru que c'était Nabil. Ça va, c'est qu'un moumouton qui nous percute. C'est comment il s'appelle? Percy, je crois. Oula, rien de cassé, petit gars. Une telle charge dans les goubignoles, dans les loubignoles. T'as dû le sentir passer, mon petit gars. Ah, désolé, ce moumouton, c'est un vrai rebelle, hein. Désolé pour la vanne. Oh, mais tu es un challenger. Je vais dire moi? Mais non, je suis pas un challenger, moi. Allez, tu peux bien me le dire, je t'ai vu à la cérémonie d'ouverture. Moi, c'est Percy, je suis un champion. Et mon dada, c'est les Pokémon plantes. Et je vais te rouler dessus, Percy, je suis désolé de te l'annoncer comme ça. On peut pas lui dire à l'avance, ça. On peut pas lui dire. Parce que c'est... En fait, j'ai déjà pitié pour lui, quoi. Il me fait de la peine. Bah ouais. Je suis triste, en fait. Parce qu'il y a absolument tous les joueurs qui lui roulent dessus. Greenberry. Admire un peu, Nono, c'est le stade de Greenberry. Ça en jette, ah ouais, t'as vu? Ah ouais, t'as vu. Effectivement, ça en jette. Surtout si t'es pas là, Nabil. D'ailleurs, je viens de voir passer Percy. Percy Jackson. Il courait vers l'arène. Faut dire qu'il y a du monde qui poirote là-bas. On n'est pas prêt de se battre contre lui. Il fait chier, t'as vu. Ah, pendant que j'y pense, il y a Sonia à te chercher. Elle a une question pour toi. Elle me l'a posée aussi, mais je savais pas quoi... Je savais pas quoi dire. Je suis timide, ouais. Elle est là-bas. Elle est là-bas dans la direction de la colline. Donc, vas-y, va voir. Elle supporte la putain. Toutou. Ah, il y a le vol toutou de Sonia. Il va nous guider, yeah. Attends, je vais juste soigner mon équipe parce que de là à ce qu'on tombe sur des dresseurs, j'aurais l'air con. Si on se fait latter. Alors, voulez-vous que nous nous occupions de votre équipe? Bien entendu. Bien entendu. C'est l'idée, Rognas. Tout est moins respectueux envers les infirmières jouelles. Alors, je vais juste changer un peu ma team, parce qu'elle pue du cul. Voilà, on pourrait se mentir, mais je pense que c'est pas bien. Alors, c'est vrai qu'il y a une loterie ID qui viennent de mettre en place. Je peux recevoir un prix. Donc, on va participer aujourd'hui, mais je pense qu'on va perdre. Hein. Déjà, quand on voit les numéros qui nous tirent, ils nous tirent quoi? Le numéro 72101. Mais jamais ça va correspondre à une partie d'ID d'un de mes Pokémon. Jamais de la vie, 72 100, hein. Ça veut dire il y en a 72 100 autres. Ça veut dire ça, mais si tu le sais, toi. Donc, maintenant. Tu dis, mais c'est. Moi, je te dis, maintenant. Là, vu que tout a été envoyé dans ma box plante, ça va pas du tout. Je vais devoir un peu ranger mes Pokémon. Ça vous permet un peu de découvrir comment j'ai rangé hier, en fait. Pendant que je faisais de la farm. Tout le monde connaît de toute façon David la farm Pokémon. Putain, j'ai allé la faire. Voilà. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. ça, c'est combat. Putain, faut pas les mettre ensemble. Non. Est-ce que vous avez vu le stock de débugants que j'ai? Donc, normalement, je pense que je peux pallier à toutes les évolutions possibles. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, tu fais une armée, c'est... Ouais, je fais une armée de débugants.
T'as cru que c'était Metal Cooler quand tu l'as capturé? Ouais, c'est ça. Pour l'instant, je vais faire appel à Gripat, qui est un Pokémon feu extrêmement utile. On va le faire monter de niveau. Bleuzeil, je le garde, il est génial. Roublenard, bah, je pense pas qu'on aura besoin de fuir, donc je vais peut-être le remplacer. Qu'est-ce qui bat les Pokémon plantes à part les feux? La glace, ça les nique pas, ça. La glace. Pokémon plantes, ils sont faibles contre le feu et la glace, exactement, et contre les insectes. Donc, il me faut peut-être un insecte, ça se trouve facilement, je pense. Insecte. Ouais, il pue la merde, les Pokémon insectes, là. J'espère qu'il va level up avant l'arène, mais pour l'instant, c'est pas ouf, ouf, quoi. Le seul Pokémon ouf, ouf que j'ai, c'est lui. Voilà. C'est bon, il fait tout. C'est le seul Pokémon ouf ouf que j'ai. J'avais pas pigé la vanne. C'est pour ça que je l'ai reformulé, parce que je me suis dit, il y en a, ils vont pas comprendre. Écoutez, arène plante, je vais partir avec ça. C'est pas l'équipe de l'année, je vais pas vous mentir, j'étais meilleur sur ma partie solo. Même si mon starter, c'est un starter haut, j'avais au moins... J'avais de bons Pokémon. Alors, qu'est-ce que je vais acheter? Des Pokéballs, j'en ai 15. Je vais en acheter... Ah, je vais pas en acheter 11, comme toi. Attaque Tapotige. Et hop. Tapotige, c'est fort, ça, ou pas? Ouais, Tapotige, franchement, ça, c'est... Imagine-toi mettre un bon coup de Tapotige. Bah, c'est compliqué de s'imaginer mettre un coup de Tapotige, toi. Je crois que c'est le pire nom d'attaque que j'ai jamais pu... Non, j'avoue. C'est quoi pour vous le pire nom d'attaque que vous ayez jamais vu dans Pokémon? De y en avoir. Coup double. Ça n'affecte pas Ténéfix. Et ben NTM Ténéfix. Il y a encore un mouton qui s'est échappé du stade de Grimbury. Heureusement, Percy les rattrape toujours. On a un géoglyphe ici. Je pensais qu'elle disait on a un gynécologue ici. Mm-hmm. Je me suis dit d'accord, bah j'espère bien, mais. Qu'est-ce que ça peut me. En quoi ça va m'avancer, tu vois? Il faut pas lésiner sur l'entretien, Tomatos. Sinon, tu peux être sûr qu'au moment où tu auras besoin d'un truc, bah, il tombera en rade. C'est la copine de Percy, en fait. Ah, oh, il y a des trucs par terre. Vous trouvez une racinergie. Alors, normalement, je suis censé suivre Voltoutou. Hein. Bon, on va conclure, du coup, la sixième VOD ici, au centre Pokémon. On a fait la mine. Mine très intéressante. On a affronté Travis. Travis de Ravensburger, qui était... excellemment nul, on est d'accord. Il puait sa mère. Il puait autant que son vieux chapeau de paille. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, moi, un truc qui m'a choqué, c'est que il a... Mais non, toi, tu confonds avec Percy. Moi, je parlais de Travis. Ah, Travis. Travis dans les mines. Travis, il a une grosse touffe de moumoutons. Et ses Pokémon, c'est tout des trucs genre chantilly, genre glaçage, etc. Je sais pas, ils veulent faire un truc à Dragon Ball, je sais pas, faire des thèmes et tout. On nous dit dans le chat, il est aussi moisi que sa coupe, je suis d'accord, il pue. Mais d'ailleurs, si c'est ça le rival, je suis un peu déçu. J'ai pas de challenge, alors que je trouve que malgré la farm que j'ai faite hier, hein, en off, il n'y a pas de vidéo dessus. Hein. J'ai été dans les terres sauvages, j'ai été un peu entraîné la pyro et tout ça pour la reine plante. Il n'y a pas vraiment d'adversaire, tu vois, qui pose problème à notre dresseur, toi. On n'est pas un niveau de ouf, hein, franchement. Mais ils sont faciles à battre, en fait. Tu fais nitro charge, tu spams nitro charge, ils sont tous morts. Oh bon, voilà. J'ai eu la motocyclette. Ah, GG. Bah, nous, on l'aura bientôt. Et d'ailleurs, regardez la VOD7. On l'aura peut-être dans la VOD7. On va prier. Du coup, on se quitte pour la VOD6. Et rendez-vous tout de suite pour tous ceux qui sont avec nous sur Twitch. Allez, Zoubi.